Salut, coucou, hello tout le monde, beauté, bienvenue chez Gypsy Univers Création, la famille. Oui, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo de ma routine du soir. Et voici la suite est déjà là, dispo. Je pense que ça vous aura plu, la famille. Et quant à moi, je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien. Et je pense que vous allez aussi bien, voilà. Je me présente, moi c'est Gypsy, la maman des trois, des garçons et une fille. J'ai créé cette chaîne afin de partager ma vie de maman et dans le domaine de la décoration, de comment prendre soin de la maison, comment s'organiser, comment avoir une maison qui sent bon, qui est juste propre, bien ordonnée, bien organisée. Voilà, je fais plein de vidéos à la cuisine. Je cuisine, comme on dit, ma coussa. Je donne aussi des astuces, des conseils, pourquoi pas, et des organisations, la décoration. Voilà, famille, comme je disais, si cela ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer à la cloche des notifications pour ne rien rater à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Laissez-moi aussi des pouces en l'air, pourquoi pas, et des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire, la famille. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo calmement. Voilà, après avoir donné les enfants à la douche, je vais attamer directement à faire la vaisselle pour laisser ma cuisine bien propre. Je vais faire ma vaisselle et puis je vais passer les coups d'éponge sur mon plan de travail. Je vais passer l'aspirateur, je vais passer les torchons pour laisser juste ma cuisine bien propre. J'aime pas laisser les assiettes sales, non, non, non. Là, c'est pas moi. Franchement, moi, dès que je finis directement, j'arrange. Et quand je dors, ma cuisine est propre, ma maison est bien propre. Franchement, je suis tranquille. Et ça me permet aussi de faire de beaux rêves, franchement. Je sais pas chez vous, mais franchement, moi, quand j'ai pas encore fait le ménage, je ne suis pas tranquille. Donc, dès que tout est bien propre, et là, je suis tranquille. Voilà, là, je vais faire la vaisselle et après, je vais arranger et laisser ma cuisine bien propre et ainsi de suite. Baby, I try.
Voilà, famille, je pense que vous avez remarqué comment ma robe est devenue. Il y a des trucs par-ci, par-là, des taches blanches. Franchement, avec les enfants, parfois, c'est comme ça. Surtout les tissus noirs, ça prend beaucoup de choses facilement. Comme je venais de donner les enfants la douche, il y a des poudres, il y a des laits de beauté qui s'est collé sur ma robe. Bon, voilà. Bon, comme après là, je vais aller prendre ma douche. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un vrai vie des mamans. Donc parfois il faut montrer la réalité comme je dis toujours. Ok, voilà la famille, là je vais passer les coups d'éponge partout et pour laisser ma cuisine bien propre. Voilà, là, j'ai laissé ma cuisine bien propre. C'était l'heure de mettre les enfants au lit.
comme vous pouvez voir, j'ai préparé déjà les biberons pour l'aider. Comme ça, ils vont aller au lit tranquillement. Là, je suis dans leur chambre. Il y avait déjà papa qui était là avec eux. Voilà. Parfois, c'est moi qui les accompagne au lit. Parfois, c'est papa. Ça dépend. Voilà. Ils étaient là avec la princesse. Elle est en train de pleurer. Elle ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, comme je disais, là, bon, c'était déjà presque 20h30, passé comme ça. C'était l'heure que les enfants puissent aller déjà au lit et moi, je vais continuer à finir mon ménage. Et puis, je vais prendre ma douche et me reposer. J'aime déjà partir de 21h30, 22h, que tout soit déjà fini. Voilà, tout soit déjà fini et je suis tranquille, franchement. Voilà les... Là... franchement, et là, je suis tranquille. Parce que quand les enfants sont déjà au lit, même s'il y a quelque chose à faire, je vais le faire rapidement parce qu'il n'y a personne à côté pour m'embêter. Mais quand ils sont là, tu travailles comme ça, tu dois parler. Et attention, ne touche pas. Regarde, donne, fais ceci. Et c'est pas facile, franchement, bon. On assume. Là, je vais passer directement au salon et passer les coups d'éponge et puis passer l'aspirateur rapidement. Et voilà, bon, comme je fais déjà les ménages la nuit comme ça, là, les matins, je suis tranquille, je vais faire rien. Donc, je profite de faire mon ménage les soirs et puis les matins, je suis tranquille. Voilà, je peux me réveiller même à 20h s'il n'y a pas l'école. Pardon, je peux me réveiller même à 10h ou 9h s'il n'y a pas l'école. Mais s'il y a l'école pour les enfants, je suis obligée de me réveiller à 6h du matin. Voilà, donc c'est pas facile. Hein? Voilà famille, là j'étais presque à la fin de ma routine du soir. Voilà, j'ai passé un coup d'éponge, j'ai passé l'aspi et puis j'ai essayé de torchonner les sols. Voilà, et après je me suis placée devant ma poste téléviseur pour regarder un peu. Et j'avais mis les Majab ou télévision, Majab ou talent, je ne sais pas si vous les saviez. Vous les regardez aussi, pardon, je ne sais pas si vous les regardez aussi. Franchement, ça m'a fait rigoler comme pas possible. Ma job talent de chez Bellevue TV, non, j'ai rigolé, ça m'a déstressé comme pas possible. Donc voilà, là j'étais là en train de plier les habits et après avoir plié les habits, ça sera tout pour mon ménage du soir et après je vais aller prendre ma douche pour me reposer la famille. Franchement, je passais une journée très dire, il y avait beaucoup à faire, voilà, c'est comme ça. Malgré, il y a aussi des jours qu'il n'y a rien, il n'y a pas vraiment grand chose à faire, voilà, mais il y a des jours où tu dois faire beaucoup de choses à la fois. Mais franchement, moi, je fais toujours l'effort de partager les tâches pour ne pas que je me retrouve avec beaucoup de tâches le même jour, non. Je fais toujours un effort de partager. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas vraiment préparé grand chose parce qu'il y avait déjà les pondous, je fais que les poulets, puis les riz, c'est mon lieu, c'est fini. Mais il y a des jours comme ça, je prépare beaucoup. Je fais les pondous, je fais les poissons, je fais, voilà, bref. Ma journée s'était déroulée, c'était comme ça, voilà. Donc, je pense que ma routine, ça va quand même vous inspirer. Voilà, ça va aussi vous motiver comment vous organiser pour les après-midi. Voilà la famille, donc si cette vidéo vous plaira, pourquoi pas de liker, de partager et surtout... Abonnez-vous la famille, abonnez-vous pour me soutenir et n'oubliez pas aussi de me laisser les pouces bleus et regarder la vidéo jusqu'à la fin si c'est possible pour m'aider à totaliser mes heures. Et voilà la famille, là on se retrouve prochainement par la grâce dédiée. Portez-vous bien, bye bye, bisous.